Il y a eu de nombreux modèles des friteurs, mais le tout premier restait mon préféré. Elle n'a jamais arrêté de remplir ses bons de commande. J'avais renforcé la sécurité sur la porte arrière pour qu'aucun loup Wetzel ne puisse entrer. Le verrou était fabriqué dans un chrome rare que j'avais extrait des grottes de Serenia. Il résistait à la magie et nécessitait plusieurs clés. Bien sûr, j'avais totalement oublié où je les avais mises. Les gobelins ont prospéré dans les rochers à l'est, alors j'en restais éloigné. Quelque chose ne va pas. La clé était trop haute pour que je l'atteigne. Pardon,
Peut-être que ma mémoire se trompe.
Je vais renforcer la sécurité sur la porte. Les Hobblepot et moi-même avons emprunté un sort dans le livre d'Agatha pour que l'île flottante puisse enfin flotter. Il n'y a rien d'autre à voir par là.
Pardon. Après le retour d'Alexander, les trous des gobelins furent bouchés.
Attends. Je m'étais souvenu de l'emplacement des clés, et le verrou était ouvert. La preuve que j'avais encore toute ma tête. Je mis le chrome dans ma poche. C'était trop rare pour être laissé là. Je sens que j'aurai mal pour 10 ans après ça. Mais depuis quand les aventures font-elles si mal aux genoux? Il faudra vraiment que j'entraîne un peu mes chevilles. Ça ne m'a pas fait mal, ce qui aurait plutôt tendance à m'inquiéter. Garde l'œil bien ouvert, Mordon. Il sera là dans une seconde. Tu sais bien que je n'aime pas ce nom. D'accord, Mordak. Ouvre l'œil, reste éveillé et ne gâche pas tout. Tout gâcher ? Puis-je te rappeler que c'est ma magie qui te maintient en vie? Oui, et quand ta magie arrivera enfin à créer de la cosmolotion qui marche, je te féliciterai. Mais ma patience a des limites, et je ne tolérerai plus la moindre erreur. Mon frère, je t'ai dit de ne pas toucher à ces potions, mais tu m'as ignoré. J'ai perdu 30 ans de ma vie à essayer de reproduire la formule d'Agatha. Et j'ai bien peur que maintenant, je commence à avoir envie de passer à autre chose. Est-ce que ton grand âge te ferait perdre la mémoire? Tu as déjà oublié tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Je t'ai arraché au froid. Je t'ai libéré d'une vie d'esclave chez les gobelins. Et tu oses venir te plaindre pour 30 misérables années? Ouais. Parfois, j'ai l'impression d'être toujours l'esclave d'un gobelin. Tiens bien ta langue, Mordon. Parce que sinon... Mordak, je croyais avoir éteint ta flamme il y a des années. Je m'étais caché sous le plancher. Je le savais. Comment va la famille? Elle va étrangement bien depuis que tu l'as rétrécie. Je suis heureux de l'entendre. Tu veux bien t'écarter du chemin? J'ai quelques affaires à régler avec ton patron. Ma nanane m'a interdit de te laisser passer. Tant que tu ne m'auras pas démontré que tu es toujours aussi vif d'esprit. Et que dois-je faire pour ça? Tu n'as qu'à suivre ces panneaux indicateurs. Bien sûr. Rapporte-moi la preuve que tu as réussi chaque épreuve, et là je te conduirai à Mananan. Je sais que tu vas me mentir, mais je demande quand même.
S'agit-il de pièges conçus pour me broyer les os, m'arracher les bras et me déformer le corps au point d'en faire une sculpture effroyable ? Non. Oh, alors ça devrait être amusant. Je ne sais pas si je me suis cassé quelque chose ou si ça s'est remis en place. Grand-père, tout va bien ? Oh, je n'avais pas repensé à cette histoire depuis longtemps. Tes oreilles sont toutes rouges ? Laisse-moi me reprendre. Ça commence un peu à s'embrouiller. Je crois que je ferais mieux de me reposer. Tu veux bien aller chercher grand-mère ? Je reviens après ta sieste. Repose-toi, chérie. Je reviens après le dîner. Ça va aller. Prends ton temps. Sonne, si tu as besoin de moi. Bonne nuit, mon amour. N'oublie pas notre promesse. Toujours chercher l'aventure. Demandez où tu étais. Non, l'heure n'est pas encore venue. On m'a promis encore une autre. Oh, je me battrai, je te l'assure. Mais... Oh, tu as sûrement raison. Tu as toujours su viser juste, c'est vrai. Le miroir ne m'a jamais promis que j'aurais une dernière aventure. Seulement que mon héritage perdurerait.
Laisse-moi juste te dire au revoir. Afanata. Est-ce que tu sens cette odeur de germite, Graham? Elle est très toxique, je le crains. Il paraît qu'elle met à l'épreuve la force de l'esprit. Graham, c'est bien toi? Amaya? Attends, si tu es là, ça veut dire que je suis... Et que te dit ton instinct? Que j'aimerais manger des bonbons plutôt que les pissenlits par la racine. Calme-toi, ton heure n'est pas encore venue. Je t'aide simplement à explorer tes sentiments. Est-ce que j'y trouverai un indice? Peut-être pour savoir comment battre Mani? Ou pour savoir comment m'assurer que l'héritage du roi Graham le Preux ne se perde pas? C'est donc tout ça qui t'inquiète? Pas étonnant que tu aies l'air tout démoralisé. Je t'écoute. L'héritage n'est pas une chose concrète que tu laisses aux gens, Graham. C'est le courage que tu insuffles chez les autres. Tu dois laisser ton royaume aux jeunes. C'est tout? Pas même une petite remarque sarcastique? Ou alors un quelconque objet qui m'aiderait à résoudre tous mes problèmes? Hé, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. C'est à toi de mener à bien cette quête. Réveille-toi, Graham. Ton esprit est fort.
Tu as rapporté la preuve? Bien. Pose ça là. Et préviens-moi quand tu auras terminé l'épreuve de vitesse. Il faut me prouver que tu as réussi l'épreuve de vitesse. Excellent. Par ici, je te prie. Bon. Où est-il ? Miaou ! Épaté, j'imagine. Épaté pour chat, oui. Tu veux me défier sous cette forme ? Tiens bien ta langue, sire. Malgré ma forme, je n'ai rien perdu de mes talents. Je n'ai rien contre les chats, Mani, ni les gobelins ou les sphinx. C'est après toi que j'en ai. Peu importe. Le duel n'a même pas commencé que j'ai déjà gagné. Sais-tu seulement que tu m'as livré toi-même tous les ingrédients dont j'ai besoin pour refaire de la cosmolotion ? Tiens donc. Permets-moi de t'expliquer que toi, cher roi Graham l'imbécile, tu as une fois encore... Oui. Et penche-toi pendant 2 heures, vas-y. Désolé si j'ai l'air un peu distrait par contre, je n'entends presque plus de l'oreille gauche. Bon, comme ça te chante, j'essaierai d'être concis, de longues phrases, en détachant bien les syllabes des mots importants, en levant la voix, en utilisant des mots très très longs, en te traitant régulièrement d'abruti, et en t'expliquant que le dernier ingrédient est un poil de ta barbe. On se retrouve ce soir. Rejoins-moi à l'île flottante. À plus tard. Thank you.
Papa, regarde ce qu'on a pour toi. Papa. Oh. Wow. Oh. Papa, dis quelque chose. Histoire. Gwendoline, appelle les infirmières. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux quelque chose? Voir maman? Maman? Histoire. Tiroir? Non, histoire. Histoire. Aide-moi à la finir. Remettons-le au lit. Prends ses pieds. Tom! Je voulais sonner la cloche. Je me doutais que tu chercherais à fuir. Je voulais juste une toute dernière aventure. Un nouveau trésor. Pour mon étagère. Mais les seuls trésors dont j'ai besoin sont déjà autour de moi. Ça ira, mon chéri. Laisse-toi aller. Il est grand temps. Pas avant la fin de mon histoire. Et tu dois la terminer. Moi ? Mais je ne sais pas la fin. Je t'aiderai. Mais non, je suis pas prête. Que Garth le fasse. C'est à toi que grand-père passe le flambeau. Tu devrais t'en saisir. Vas-y, ma puce. Le roi Gran, le plus grand aventurier de toute l'histoire. Il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger sa famille. Sur l'île flottante, baigné par le crépuscule, Mordak plaça la dernière coupe et lança un terrible duel d'esprit. C'est un bon début. Bienvenue, mon ami. Je suis content que tu aies réussi. Mananan reprit alors sa forme humaine grâce aux ingrédients que grand-père avait apportés sans s'en rendre compte. Mais il était faible. Seul le cristal de Germite le maintenait encore en vie. Mordak a conçu une série de défis pour mettre à l'épreuve notre intellect. Mais rassure-toi, il ne m'a donné aucune réponse. Certaines coupes ont été piégées avec de la poudre d'hypnose. Nous ferons chaque étape individuellement. Si jamais tu bois l'une des coupes contaminées, tu perdras, et alors tu tomberas sous mon joug. Et vice-versa. Les coupes étaient disposées par étapes, chacune ayant sa propre règle. Je vais t'épargner les longs discours et te laisser lire les règles. Prêt à prouver que le gobelin est supérieur à l'homme ? Ne t'en approche pas. Nous y viendrons plus tard. Oh, ce n'est rien. Juste un pauvre bibelot. Il n'y avait qu'un indice pour chaque groupe de coupes. Celui qui avait imaginé ça devait se croire malin. Tu t'en sors bien, ma chérie.
et avec une coupe sans danger. J'aimerais bien que tu te dépêches. J'ai l'intention de démissionner de cette fraternité dès que vous aurez fini votre petit jeu ridicule. J'ai fini, moi aussi. Facile, vraiment.
Aucun de nous n'est hypnotisé, alors passons donc à la suite. Ça n'a rien de vraiment difficile pour des esprits comme les nôtres.
Mordak, tu aurais pu faire que ce soit un peu plus difficile. Plus qu'une étape! Seras-tu à la hauteur?
J'espère vraiment que nous ne nous en servirons pas. N'y touche pas, ce n'est qu'un objet décoratif. Oh, tu as choisi la mauvaise coupe. Alors, je veux que tu démontes ton château, brique par brique. On pouvait dire que t'étais une Graham en peine. J'ai créé un monstre.